Voilà, sous les applaudissements chaleureux du public, et maintenant, Assaman. L'hymne national de l'Algérie. Du public, un public qui va ce soir porter les verts à bout de bras, comme on dit, Hakim Eden, et qui va les pousser vers, pourquoi pas, une victoire. Ça serait bien pour le moral, pour le classement FIFA, pour la suite de la préparation de l'équipe nationale, même si aujourd'hui, Vahid Halilhodžić, qui a présenté une équipe, je le disais tout à l'heure, qui est un peu new look, renouvelé, pour ne pas dire, pour ne pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, je vous laisse l'honneur, Hakim Eden, de nous en parler avec, bien sûr, Zema Mouche dans les buts. C'est pas une surprise. Oui, c'est Zema Mouche dans les buts. À droite, c'est Mondi. Kadamuru Bougara dans l'axe, Roulem à gauche. Ça, c'est le premier match de Mondi. Et le retour aussi de Kadamuru, ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vu. Au milieu de terrain, il y a l'arrivée de Bentaleb. Mehdi Mustafa et Taider. À droite, ça va être Djabou. À gauche, c'est Soudani. Et dans l'axe, c'est Slimane. Et là, on voit l'image de... Alors, le roi Pelé, qui est ici aujourd'hui, il faut... bien sûr, c'est pas un fait anodin. C'est véritablement un événement. Puisqu'il est là aujourd'hui, il va donner le coup d'envoi de ce match. Algérie-Slovénie, il était il y a quelques instants avec le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raoulawa, en grande discussion. Le roi Pelé qui revient en Algérie, qui est très content d'ailleurs, très heureux de retrouver sol algérien, puisqu'il avait joué avec l'équipe du Brésil. Il avait joué à Oran, un match Algérie-Brésil au stade d'Oran à l'époque. Et il était également venu avec le FC Santos, le club brésilien avec lequel il avait joué pendant de longues années. Donc c'est la troisième fois qu'il vient en Algérie. Ben oui, Erdogan, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Un grand, c'est un extraterrestre. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi Pelé. Le roi, voilà, c'est le king. Et le roi Pelé qui est avec le trio d'arbitres. Alors on va parler aussi du trio d'arbitres, puisqu'on prépare la Coupe du Monde, eh bien, pour les joueurs, le trio également est composé de deux arbitres qui vont faire la Coupe du Monde. C'est un trio camerounais, Alioune Sidré, 32 ans, l'arbitre directeur, donc qui est retenu pour le mondial brésilien. Il y a également Évariste Koundé, le premier assistant, qui ira en Coupe du Monde. Le troisième n'ira pas, mais il est tout aussi compétent, on va dire, puisque il est très connu au Cameroun, c'est Moussa Yanoussa. Et donc le quatrième arbitre, c'est l'Algérien Farouk Wesnia, international. On va également parler de cette équipe de Slovénie, puisqu'il y a Breko. D'abord, on va parler du gardien de but, c'est Handanovic, Samir Handanovic. C'est le coéquipier de Taider à l'Inter de Milan. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est les retrouvailles aujourd'hui. Il y a Breko qui joue à Cologne, qui est en numéro 2. César, qui est au Chievo Vérone et en Italie également. Branko Ilic, qui joue lui aussi dans cette équipe de Slovénie.
et Jokic qui lui aussi au milieu de terrain avec Iličić, avec Campin également, et le coup d'envoi qui va être donné par Pelé. Alors ça, ça va être un moment magique. Pelé avec son pied. Lui c'est le pied, les pieds et la tête, hein, parce que c'était un sacré joueur de la tête. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, le fameux but qu'il avait inscrit en finale de la Coupe du Monde 1970 avec cette contre tête magique l'Italie. Contre l'Italie et le gardien Albertosi à l'époque, qui était gardien de l'Italie, de la Squadra Azzurra. Et voilà la composition de l'équipe de Slovénie avec, donc je le rappelle, je continue avec Iličić en numéro 19, Campbell qui joue à Salzbourg en Autriche, Kirm, le joueur de Groningen aux Pays-Bas, Krin, le joueur de Bologne en Italie, Kurtic, et là c'est l'équipe d'Algérie que vous voyez à l'écran, Kurtic lui qui joue à Torino, et Bedjak, le joueur qui joue en Bulgarie. Cette équipe de Slovénie, dans une poignée de secondes, l'arbitre Erdogan qui est entraîné par un ancien grand joueur. On va en parler, c'est une figure emblématique du football slovène. Allez, c'est parti à l'instant même. Coup d'envoi donné par Alioum Sidré, l'arbitre de la rencontre. Et l'Algérie qui commence à faire tourner le ballon sous les houlets du public. Bougra derrière pour Zemamouche. Attention au pressing, il est très haut en cette première minute de jeu et ça sort en touche. Oui, vous l'avez dit, Hakim Meden, l'entraîneur, c'est Serko Katanec. C'est un ancien grand joueur de la Sampdoria de Gênes avec laquelle il a remporté la Coupe des Coupes en 90. Il a joué la finale de la Ligue des Champions en 92. Il a gagné un Scudetto également en 91 avec la Sampdoria. Et il a été international pendant de longues années avec la Yougoslavie. Après, après, il est devenu entraîneur, bien sûr. Et il a qualifié la grande Sampdoria de Gênes, Erdogan, avec Mancini et Viali. Et pas mal d'autres grands joueurs italiens. Il a, en tant qu'entraîneur, il a qualifié la Slovénie à l'Euro 2000. Et il l'a qualifié également à la Coupe du Monde 2002. Donc, vous voyez que c'est pas n'importe qui est sur le banc. C'était le premier sélectionneur de la Slovénie. C'est pas n'importe qui est sur le banc de la Slovénie. Et je peux vous dire qu'il mesure 1m90. Voilà. Messieurs. Oui, Hakim Meden. Hakim Kchelou, pardon. Hakim, aujourd'hui. Ça commence bien, Erdogan. Allez, c'est parti. Bon, juste pour vous dire, c'est vrai que bon, aujourd'hui, ce match est très important pour tous les joueurs qui ont été convoqués, puisque, comme vous le savez, Vaida Lilosic a un ultimatum jusqu'au 17 avril pour donner la liste définitive des 23 joueurs qui doivent aller au Brésil représenter l'Algérie. Ça, tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, 6 changements seront prévus pour Vaida Lilosic. Donc, à tout le monde sa chance de prouver qu'il a sa place en équipe nationale. Hakim, j'espère que Vaïd ne va pas t'entendre parler d'ultimatum. C'est un mot qu'il n'aime pas beaucoup. Je me suis éloigné. Voilà. Vous avez bien fait. Et donc, il y aura 6 changements de chaque côté. C'est un arrangement qui est fait entre les deux staffs et c'est lors de la réunion technique. Généralement, c'est également le règlement FIFA. Oui, non, mais la FIFA est très, très, on va dire, très tolérante hein, de ce côté-là. Les deux équipes doivent se mettre d'accord, c'est tout simplement. Et à partir de là, eh bien, il y aura 6 joueurs de chaque côté. Donc, large éventail possible pour les deux entraîneurs. Et le ballon qui est toujours dans le camp algérien. Attention à ce dégagement un peu approximatif. Alors, on avait quand même dans la composition d'équipe pas assez insisté sur aujourd'hui le fait qu'il y a l'attraction, ça devrait être Bentaleb ce soir. Ben oui, Erdogan, c'est le baptême de feu pour Bentaleb et Mondi. Également. C'est le premier match. Également. Et c'est aussi Kadamourou dans l'axe. Je ne me souviens pas que Kadamourou a joué dans l'axe. C'est une nouveauté. Autre chose, c'est Djabou qui est à gauche, Soudani à droite. Oui, Slimani est toujours devant, Taider au milieu. Et Mostofa est toujours comme sentinelle, ça c'est pas nouveau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Vaïd, le sélectionneur, ne change pas toujours sa façon d'y être. C'est qu'il joue avec une défense plate, 4 derrière.
sentinelles, les deux milieux dans, à droite et à gauche, Bentaleb d'un côté et de l'autre c'est Taider. Et trois à droite, d'habitude on a l'habitude de voir Farouli qui est absent pour ce match. Alors on a mis Soudani, à gauche c'est Djabou et avançant c'est Slimani. C'est... Voilà, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on ne change pas non plus un système qui ouais. rapporte. Hein. C'est sa conception, Ardoin, il faut respecter, c'est sa façon, oui. Pour le moment, ça fonctionne, et bon, il continue, il faut respecter son choix. Ben. Et voilà, donc, du côté Algérie, attention, on remet le ballon sur Slimani. Slimani à la lutte avec trois attaquants, trois défenseurs, et un contre favorable, et le ballon qui sort au-dessus de la cage de Handanovic. C'est un corner, premier corner. Premier corner pour l'équipe nationale, c'est Djabou qui va aller se charger du corner, lui qui est un... On voit ici le tir de Taider contré par le défenseur slovène. Et attention à ce corner, corner à suivre, intéressant pour Djabou avec son pied gauche et la sortie du gardien avec les deux points qui remet ce ballon sur Djabou. Djabou Abdelmoumen qui récupère le ballon, c'est bien joué de la part de Djabou, il va tirer et le gardien qui s'interpose. Ah, c'était bien joué pour Djabou qui est en train de montrer... On voit ici comment il arrive à éliminer le défenseur. Avec son pied gauche, il adresse un tir à ras de terre qui pouvait faire mouche au gardien. C'est sa spécialité, c'est de piquer vers le centre et tirer du pied gauche. Hein. Voilà. Et on se souvient du dernier match qu'il a joué ici où il était très bon et c'est de bon augure pour la suite pour Abdelmoumen Djabou. Attention à ce coup franc également là du côté de la Slovénie, le coup franc est joué petitement, pas devant et un centre et tout le monde laisse passer le ballon. Attention, c'est dangereux ça. Parce que il y avait une mauvaise appréciation de la balle, elle n'est pas sortie. Et là, intervention un peu limite du côté de César. Et ça récupère le ballon très très vite pour Kurtic. Et bonne intervention de Zemamouche. Ah, le dégagement de Zemamouche un peu trop vite, un peu trop loin. Et en touche. Touche sera pour la Slovénie et plus exactement pour Djokic. Djokic qui arrive à trouver un partenaire du côté slovène. On essaye de monopoliser le ballon au milieu de terrain. Mais il y a un pressing de nos joueurs qui empêche la relance des Slovènes. Cette équipe de la Slovénie qui est quand même composée à peu près à 50% des joueurs qui nous avaient rencontrés en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Hein. Ouais. Majid Bougala. Ballon qui est remis derrière par Kadamuro. Et pour... Également, encore une fois, Kadamuro qui remonte, Bentaleb, Nabil Bentaleb, attention, il est pressé, il est obligé de remettre derrière pour Bougala qui relance. C'est bien joué en 1-2, attention, perte de balle au milieu de terrain, il ne faut pas perdre de ballon dans cette zone-là parce que ça peut être dangereux. Oui, ça peut être très très dangereux. On voit ici la faute de Taider sur Caïn. On élargit un peu le jeu du côté slovène, mais le centre de Branko, plutôt la transversale qu'a voulu adresser Branko, est parti directement en touche.
et Katané qui demande à ses joueurs d'aller monter au pressing de l'histoire. Alors, un problème de micro avec peut-être Hakim Kshout. Je disais que Katané demandait à ses joueurs de presser un peu plus haut. Hein, donc, il vient de bouger de son banc et il leur demande de monter, presser plus haut. Voilà. Bien reçu, Hakim Kshout. Attention à ce départ de Béziak. Une bonne intervention là. Soudani qui est remonté à la tâche défensive. Slimani, bonne prolongation de balle de Taider. Là-bas sur le côté, encore Taider là sur le ballon. Ah, il cherche quelqu'un, mais il n'y avait personne latéralement. Ben Taleb n'avait peut-être pas bien compris ce que voulait faire Taider. Oui, c'était une mauvaise passe de Taider, mais je pense que notre sélection, ils ont bien débuté la rencontre. Je trouve que l'équipe slovène, jusqu'à présent, ils sont un peu timides. Voilà, mais quand même, il y a de bons déplacements. On joue en mouvement du côté algérien et ça, c'est une bonne chose. Les joueurs ne sont pas statiques. Hein. On sent qu'il y a, il y a une bonne dynamique dans le jeu. Et bien, il faut continuer comme ça et orienter un peu le jeu un peu plus vers l'avant. Ben oui, Erdogan, parce que c'est faut pas oublier que cette équipe de Slovène peut être très très dangereuse quand ils récupèrent le ballon au milieu de terrain. Et surtout qu'ils sont en train d'observer hein, pour le moment. Hein, on est encore un peu dans le rang d'observation. Hein, on est à 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Et pour le moment, les Slovènes n'ont pas encore montré leur vrai visage. Ils se contentent de récupérer le ballon, d'essayer de monopoliser la balle au milieu, comme Kurtic là, qui essaye de trouver Bedjak, mais il n'arrive pas. Et ça repart avec sur le côté droit Mandy là-bas qui redonne le ballon derrière. Attention au milieu de terrain, Mostafa. Une transversale trop longue qui sort en touche. Eh bien oui, il a été contré. Mais Erdogan, pour l'instant, pour le début, on voit ici Ali Lozic qui demande à ses joueurs de monter. Et c'est Ben Taleb qui est en train de toucher énormément de ballons dans ce début de match. Et voilà Ben Taleb encore, ouais. Puisque vous en parliez. Et ballon enveloppé par Mehdi Mostafa, mais pas bien cadré. Et ça va profiter au gardien Samir Handanović. Edouard, il faut signaler aussi le Taider et Bentaleb qui jouent devant Medjani qui est toujours comme sentinelle. Attention, bonne anticipation de Bentaleb. Dommage que il est arrivé juste un peu en retard. La tête est Kurtic encore. Kurtic qui est un véritable colosse hein, au milieu de terrain. Et il faut. Attention. Et coup franc sifflé par l'arbitre monsieur Alioune Sidré. Il faut quand même signaler qu'il y a une cinquantaine de supporters slovènes hein, qui sont là, assis à la tribune. Ils sont venus supporter leur équipe nationale. Et également, il y a la présence également de la télévision et de la radio de Slovénie. Pour couvrir ce match. Et à rappeler qu'ils ont été impressionnés, bien sûr, par le stade Mustapha Chakir et les supporters de la. Latéralement, balle latérale pour Branko. Branko qui regarde devant, loin, il lance sa balle, mais c'est Kadamuro qui s'est interposé. Mandy encore. Avec ce ballon, attention. Là-bas, Mehdi Mostafa qui est obligé de remettre derrière. Et là encore, Bougara. Il est
il est pressé. Il perd cette balle. Et ça va aller au profit de Bréco qui donne latéralement sur César. César, encore une fois, pour Branco. Encore avec le ballon. Un marquage individuel strict hein, derrière. Eh bien oui, l'équipe slovène commence à progresser, commence à jouer attention, vers l'avant. Qui... Attention, attention, avec Bréco qui met en retrait. Et ça sera en corner, premier corner pour la Slovénie. Ah ben oui, il commence à combiner. On voit l'arrière droit Micho qui est en train d'apporter sur son couloir et qui peut être dangereux dans ses montées. Attention au corner avec des grands gabarits comme ceux des joueurs slovènes. Et bonne sortie de Zemamouche avec les deux points qui sauve son camp. Ça revient, attention. Et bonne intervention là-bas de Roulam qui relance pour Soudani qui joue et qui essaie de jouer en 1-2. Soudani avec faute. Et c'est peut-être le premier but. Ah, le ballon qui est dégagé. Quel par bon ballon de Soudani. Ah, Slimani qui était vraiment en position oui, de. On voit ici le bon marque. Ballon de Soudani. Erdogan, un contrôle. Je ne sais pas comment il a pu rater ça, Slimani. Vraiment, c'était une occasion en or. Il a bien joué. Il a bien joué ce qu'il fallait. Hein. Oui, il a bien joué. Mais, coup, c'est le gardien qui a bien défendu. Oui, oui. Andanovic, à la manière d'un gardien de handball, avec, il a bien défendu, voilà. Avec son pied droit. A mis le ballon au corner et le corner qui est joué. Le corner s'est dégagé. Encore une fois, ça revient. C'est pas fini. Ça peut être encore une bonne occasion. Le centre pour qui? Pour personne. Le centre pour qui? Pour personne. Alors qu'il y avait véritablement autre chose à faire. Roulem qui met ce ballon, il est dégagé très très vite par Bréco. Faute et coup franc pour l'équipe nationale. On a vu Erdogan, notre équipe, quand on a de l'espace, on peut être très très dangereux. On l'a vu quand ils nous ont laissé des espaces sur un compte où il y avait Djabou, Soudani, Slimani. On peut avoir des occasions et des coups très importants à jouer, très intéressants. Et là, c'était la première grosse occasion du match. Oui. Hein. Comme quoi, l'équipe nationale a vraiment peut avoir à certains moments des opportunités pour ouvrir la marque. Avec Slimani qui joue beaucoup en mouvement et Soudani également. Un sacré duo. Et qui connaissent bien le stade de Mustapha Tchaker. Oui. C'est les deux buteurs. Ils ont leur repère hein, dans ce stade, sur ce terrain. Attention à ce ballon, la balle n'est pas sortie, c'est récupéré par Roulem. Roulem avec Bentaleb. Bentaleb qui trouve Slimani. Slimani faute de César et coup franc. On voit ici la bonne couverture de Slimani qui a obligé le défenseur à faire faute sur lui. Attention, 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 ballon perdu. Par Bouguera, ça repart très 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 vite là-bas, du côté de Kirm. Le ballon le tire de loin et dans les bras de Zemamouche. Mohamed Amin Zemamouche qui affiche la grande forme cette saison. Eh bien oui, qui a la confiance du sélectionneur. C'est la bonne après, année pour lui. Hein. Eh bien oui, après le match face au Burkina, le sélectionneur lui a renouvelé sa confiance. C'est bien pour Zema qui milite. Ballon dans les airs, Slimani. Attention, c'était à la régulière, dit l'arbitre. Et ça repart là-bas sur le côté gauche.
pour Kirm qui essaie de lancer son coéquipier. Bonne sortie de Zemamouche. Parce qu'il y a eu une petite hésitation de Bougara. Bougara, et oui. La bonne sortie de Zemamouche qui a dégagé ce ballon. Ça repart avec Mehdi Mostafa qui essaie de trouver Slimani. Il écarte maintenant sur le côté gauche. Avec Djabou qui a essayé de prendre ce ballon. Ben Taleb. Roulem, Ben Taleb encore. Qui essaie de trouver Djabou en 1-2. C'est bien joué. Ben Taleb qui est un peu court. Et il y avait faute. Il y avait faute. Coup franc. Ouais. Et oui, il y avait faute. Et coup franc sifflé par l'arbitre, monsieur Alioum Sidré. Le coup franc qui va être joué. Katanek qui a le sourire, hein, il n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Ah ben, excusez-moi, mais... vous lui présenterez mes excuses, mais avec coup franc. Il n'y a pas de souci. On n'a pas le ralenti, nous, ici. Non, mais hein, lui, il ne l'a pas, mais nous, on l'a. Alors, je peux vous dire qu'il y avait véritablement faute et coup franc qui a été donc sifflé. Très très justement par l'arbitre, monsieur Alioum Sidré. Alors je ne sais pas comment. Je pense que ça va être pour Djabou, Redouane, avec son pied gauche. Eh oui, Djabou, en tout cas, c'est lui. Djabou Taïder. Voilà. Et ça passe au-dessus. Là, légèrement au-dessus. Taïder qui a tenté sa chance puisqu'il connaît très bien le gardien Adamovic. Et là on voit notre sélection qui essaye de marquer le premier but parce que c'est une habitude qu'on a pris ici à Blida. Chaque fois qu'on joue, c'est dans le premier quart d'heure qu'on marque. Et là, c'est 20 minutes de jeu, on n'a pas encore ouvert le score. Mais en tout cas, il y a une bonne chose de la part de l'équipe nationale. Il y a eu véritablement du jeu, il y a eu des occasions de but. Et pourvu que ça dure, hein, comment dire. Hein. Pourvu que ça aboutisse plutôt, puisque on va peut-être encore assister à d'autres opportunités de scorer de la part de notre équipe nationale. Et Bougara qui écarte sur Kadamuro là. Kadamuro qui ne trouve pas de solution, il préfère revenir derrière, redonner à Zemamouche. Zemamouche qui joue du pied avec Kadamuro qui relance là-bas au milieu. Bien joué de la part de Ben Taleb qui est applaudi par le public. Nabil Ben Taleb qui donne l'impression de déjà s'être bien intégré. Celui qui sait jouer au ballon, il sait. Oui, mais... C'est quelqu'un qui a énormément de qualité et c'est quelqu'un qui va apporter à notre sélection, surtout dans le poste, dans le registre où il est, on joue pas, il va apporter énormément. On ne joue pas à 19 ans à Tottenham sans avoir du talent, Hakim. Hein. Ah, bien joué de la part de Ben Taleb, vous entendez les applaudissements du public. Hein. Ça y est, il est vite adopté par le public de Tchakar. Et ça va lui donner encore des ailes. Hein. Allez, les olés du public pour ce ballon de Ben Taleb encore qui essaye de... Oh, c'est bien joué, c'est très très bien joué de la part de Roulem. Très beau contrôle orienté en plein air. Hein, dans les airs plutôt, c'était vraiment bien joué. Et ça démontre toute la qualité, toutes les qualités techniques de ce joueur. Ben Taleb encore, qui remet derrière pour Kadamuro. On change de côté cette fois avec Bougara. Bougara qui trouve Mandi là-bas. Oh, c'est bien joué avec Djabou qui est parti dans l'intervalle, qui a essayé de récupérer ce ballon juste in extremis, mis en touche par la défense de Slovénie. Et la touche
qui va être rapidement joué. C'est remis derrière encore. Au milieu, Mahdi Mostafa. Avec Roulem, Fawzi. Pour Kadamoro. Un Kadamoro qui s'adapte bien dans son nouveau poste. Hein. Oui, pour le moment, là, ça va. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Ben Taleb, qui est parti là-bas de l'autre côté, ramener ce ballon. Il joue. Il essaie de percuter un peu devant cette défense slovène bien en place. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on arrive à jouer, Erdogan. C'est qu'on ne perd pas le ballon, on est patient. C'est très intéressant ce qu'on est en train de faire pour le moment. C'est ce qu'il faut faire, hein, justement. Hein, quand face à une défense aussi bien en place et aussi regroupée, eh ben, il faut essayer de récupérer le maximum de balles, comme on est en train de le faire pour le moment. Attention au rebond et la tête de Bougala pour Zemamouche. Kadamoro. Mehdi Mostafa, Kadamoro encore. Long ballon profondeur pour Slimani. Et oui, monsieur. Et oui. Branko Ilić qui. Comment il bloque Slimani. Il a fait écran. Voilà, c'est ça. Il a pas... Bien sûr. Il a fait écran et c'était joué avec beaucoup de métier. Ça, c'est ce qu'on appelle les roublards. Hein. Voilà. Et... C'est des petits gestes qui ont énormément d'effet. Et le coup franc, et il est bon l'arbitre. Hein. Jusque-là, bien sûr. Il prépare aussi, lui aussi prépare la Coupe du Monde. Il prépare le mondial, il est noté sur tous les matchs qu'il fait hein, durant la préparation. Et là, sur cette balle arrêtée, on voit que tout le monde est monté. On a l'habitude. Et là, c'est nouveau loin, mais là, il oui, ça se fait dans le championnat du Brésil. Le Brésil, en Amérique du Sud. Mais... Voilà, mais. Les Chinois, Blida, c'est la première fois. Oui, c'est bien. Les arbitres. Il y a des arbitres qui ont le petit spray dans leur poche et il y en a qui ne l'ont pas. Attention à cette balle perdue avec deux joueurs slovènes qui repartent en contre-attaque. Là sur cette balle, Beziac, attention, il est là, Krim, et bonne intervention, très bonne même, et il y avait faute. Il y avait hors-jeu, je pense. Très bonne intervention de Yassine Kadamoro. Kadamoro, qui était là. Qui est en train de bien et de bien revenir hein, sur le plan compétitif. Hein. Ah ben oui. Lui qui avait. Il a fait le choix de jouer en deuxième division et de jouer tous les dimanches au lieu de rester remplaçant. Quelquefois c'est plus intelligent. Ah ben hein, oui. Je veux dire, hein. Ben oui. Il n'y a pas que lui, même Gianni. Mais Gianni, il a fait un bon choix de revenir de Grèce. Et de jouer à Valenciennes, titulaire tous les samedis ou bien les dimanches, c'est plus intéressant. Bien évidemment. Kadamoro encore qui remet derrière. Quand on ne trouve pas de solution, on remet au gardien. Vous savez que maintenant, il faut être patient. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le gardien fait partie de, fait partie de l'équipe et il est pratiquement devenu un joueur de champ. De champ. Mais surtout quand on a un garçon comme Zemamouche qui sait très bien jouer avec ses pieds. Avec les il deux. Il est très bon. Surtout, il a un beau pied gauche. Il a un bon pied gauche. Il y a souvent les gardiens de but qui sont meilleurs du pied gauche que du pied droit. Oui. Les bons gardiens de but. Moi, j'en ai connu un. Je ne sais pas, vous, Hakim Beddad, si vous l'aviez connu. Là, c'est Dahmen Boubkar, le gardien de but de l'équipe du FLN. Bon, vous ne l'avez peut-être pas vu jouer, mais je peux vous dire qu'il avait un sacré pied gauche. D'ailleurs, il tirait les coups francs des fois. Attention à ce ballon récupéré dans les pieds de Bejiak, ce joueur redoutable. Et puis, premier carton pour Djabou. Premier carton, bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment méchant hein, ce qu'il a fait Djabou, mais bon, premier carton en tout cas pour Djabou.
le coup franc qui va être tiré par Bréco. Il faut rappeler également qu'il y a un joueur qui est sur le banc et qui est un sacré attaquant, Birsa, l'attaquant du Milan AC, effectivement, Walter Birsa. Et Bedjak qui joue intelligemment, c'est bien joué pour Bréco. Et attention, il a bien coupé le capitaine d'équipe César. Il voulait reprendre le ballon de la tête sur ce centre de Bréco. Et heureusement que Zema Mouche était là. Oui, Zema, il a fait. On voit ici, on voit la belle combinaison et le très beau centre. Et Zema était présent, le joueur qui a voulu couper la trajectoire. Heureusement qu'il n'a pas eu. Et le joueur qui a voulu couper la trajectoire, 1m92, Hakim Medem. Hein. C'est difficile de marquer un joueur comme celui-là. Attention, bonne intervention là-bas de la tête de Kadamuro. C'est pas fini, le tir, ça passe au-dessus. Le tir de Bedjak, qui est très très actif sur le côté gauche. Ben oui, c'est lui qui joue avec le numéro. Le numéro 20. Le numéro 18, c'est Bedjak. Et le numéro 20, c'est Campbell. C'est Campbell. Avec lui, qui est à côté de lui, c'est les deux joueurs qui sont là. Aslimani qui est malmené par César. Et l'arbitre ne dit rien, il a joué. Dégagement de Mehdi Mostafa. Voilà, il faut changer de côté, il faut aérer un peu. Quand il y a un pressing comme ça, Bentaleb qui a bien compris, qui remet derrière. Attention, Fawzi Roulem. Pressing très haut des Slovènes. Ballon pour Djabou. Djabou qui est obligé également de travailler sur le plan défensif. Attention à cette contre-attaque. Campbell qui est parti. Campbell, il va mettre cette balle en retrait. Bonne intervention. Il n'y avait très aucune faute. Très bon tacle, très propre de la part de Bougala. Et là, même si l'entraîneur slovène n'est pas content, et Hakim Chelut va nous le confirmer tout de suite, et il n'y avait aucune faute sur cette action. Eh ben, on se plaint, mais bon, pour l'instant, il n'y avait aucune faute hein, donc, par rapport à l'arbitre. Mais pour l'instant, nous, on n'a pratiquement pas vu. Et surtout, d'ici en bas, c'est vrai que vous avez peut-être, vous êtes plus loin, mais nous d'en bas, donc on est tout près. Je peux vous affirmer qu'il n'y avait aucune faute. C'était un tacle très propre de la part de Majid Bougala. C'est un tacle très propre, mais comme me disait tout à l'heure le journaliste slovène, Katanec, c'est le cauchemar des arbitres qui se plaint tout le temps auprès des arbitres, toutes les décisions. Même en Slovénie, il fait pareil. Donc, voilà. Il le faisait également quand il était joueur. Voilà. Donc il m'a dit que c'est le cauchemar des arbitres. Hein, donc il est tout le temps en train de se plaindre. Voilà, donc on a tout compris. Il y avait faute. L'arbitre avait sifflé avant le tir. Ouais. Il y avait faute. Et puis on a atteint quand même la demi-heure de jeu. Hakim, on va la revoir. Vous allez voir l'action de Bougala qui a très joué bon, le ballon, il a joué voilà, le ballon. Il a joué le ballon, un très beau tac. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est la seule fois où, au début de match, Kadamuro était battu au départ, qui a permis aux joueurs de partir. Et il y avait quand même une bonne couverture de Bougala. Et attention, pas assez balle perdue au milieu de terrain. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on perd un ballon au milieu de terrain, c'est très brûlant. C'est pas chaud, c'est brûlant. Ben oui, c'est très dangereux, loin de perdre des ballons comme ça au milieu de terrain. Allez, Slimani, qui donne à Fawzi Roulem. Fawzi Roulem, il lève la tête, il voit Nabil Bentaleb, dommage, qui a raté son contrôle en pleine course. C'est difficile quand même de réaliser ce geste technique. Mais s'il l'avait fait. Mais lui, il a la qualité pour le réaliser. Ah oui, là, face à ces défenseurs slovènes, il faudra jouer très rapide et très court, hein, peut-être pour les contourner. Oui, essayer de. Là, les deux équipes sont bien en place, et notre sélection et l'équipe slovène. Ce qui est important, c'est que
ça va être difficile. Ça va être difficile pour les deux équipes. En tout cas, bon test pour l'équipe nationale ce soir. Hein. C'est un bon sparring partner, cette équipe de Slovénie. Oui, pour le sélectionneur, il va évaluer son équipe, son groupe. Et j'imagine qu'en deuxième mi-temps, il va faire entrer quelques joueurs et on espère que Farhat sera parmi les... Ça aussi, ça serait la nouveauté de l'équipe nationale et un joueur qui mérite amplement de faire ses preuves dans cette équipe. Ouais. Qu'on puisse le voir sous un autre visage que celui du championnat. Allez, cette fois, on essaie du côté droit. Non, c'est perdu. Ce ballon est perdu et récupéré, heureusement, par Djabou. Djabou qui revient. Djabou qui percute. Il va centrer. Oh là 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 là. À Soudani qui était... Qui ne nous a pas habitués. Regardez le très bon ballon de Djabou. Bien enroulé ce bien ballon. Bien dosé juste. Et Soudani n'a pas l'habitude de rater ses ballons. Sur ce point-là, il marque généralement. Hein. Mais c'est un caviar de Djabou. De Djabou. Hein. Bravo à Djabou, bravo à Soudani également. Il a fait ce qu'il fallait, hein, de toute façon. Hein, on aurait aimé qu'il la mette au fond droit. Ah ben oui, Vahid, lui, l'a fait, hein, parce qu'il a fait le geste du buteur à la place de Soudani pour lui aller chercher. Ce ballon en profondeur pour Slimani, il est parti. Il est rentré dans la surface. Aïe, il rate encore une fois. Il rate la remise. Il voulait la donner à Pentaleb. Ah ben oui, regardez là. Nabil Pentaleb qui s'est bien... Il a enchaîné Slimani. Et César qui intervient, qui met ce ballon au corner. Et c'est le troisième corner pour l'Algérie. Contre un seul pour la Slovénie. On s'approche, Oldouan. Ah oui, peut-être que... Avant, on disait un corner, c'est un demi-but. Bon, c'était un peu folklorique, mais... Mais regardez, le corner, Djabou au premier poteau. Ah, il s'est remis encore une fois en corner, non? Oui, un autre corner, le quatrième. Il s'est mal tiré par Djabou. Non, il fallait la doser un peu plus, cette frappe, hein, pour ce corner. Parce qu'au premier poteau, c'est intéressant, hein, on va dire. Hein. Là, on voit aussi la nouveauté, c'est Hafid Tasfaout qui est adjoint de Vahid Halilhodžić. Voilà, il est sur le banc. Djabou, le corner, premier poteau encore une fois. Il les joue tous au premier poteau. Il s'est récupéré et dégagé par la défense avec Campbell qui récupère ce ballon. Campbell qui donne à son coéquipier là-bas, Bediak. Mais ballon récupéré par la défense de l'équipe nationale. Au milieu de terrain. Nadi Mostafa qui échange le ballon avec Taider. Ça revient à gauche maintenant pour Oulam. Kadamuro. Taider. Taider qui. On n'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Ah, il est. Je pense qu'il. Là, il joue dans un nouveau rôle, un peu plus peut-être en retrait que d'habitude. Et c'est pour ça, peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Kadamuro qui essaie de lancer en direction de Soudani. Et ballon qui est mis en touche. Pour Fawzi Roulem. Fawzi Roulem avec Nabil Bentaleb. Bentaleb qui revient. Il revient derrière pour Taider. Safir Taider avec Mostafa. Mostafa qui écarte là-bas sur Mandi. Mandi, le public se lève. Il donne de la voix. Le public qui pousse. Le public qui pousse les verts. Vers le but. Roulem. Kadamuro encore. Latéralement pour Majid Bougala, le capitaine. Attention, ballon perdu au milieu de terrain. Ah, heureusement. Taider perd beaucoup de ballons dans des zones où il ne doit pas les perdre. Ah, il n'est peut-être pas dans son match aujourd'hui. Hein. Attention à Bréco. Attention à Bréco et à ses centres redoutables. Et c'est mis en touche. Allez. Ballon encore une fois pour notre équipe nationale. Fawzi Roulem qui trouve Mehdi Mostafa. Nabil Bentaleb. Kadamuro.
C'est Marouche qui demande à ses coéquipiers de se démarquer un peu. Et tout le monde est pris au marquage. Ardouane, on n'a pas parlé sur le nouveau maillot de l'équipe nationale. Comment vous le trouvez? Écoutez, il est bien. Moi, je préfère quand ils sont en vert. Mais là, bon, comme aujourd'hui, l'adversaire est complètement en bleu. C'est pour ça que l'équipe nationale joue en blanc et en vert. Mais moi, je les trouve bien. Je les trouve bien. Krim qui remet là-bas sur César. César qui est la plaque tournante, hein. C'est la tour de contrôle de cette équipe. C'est le capitaine et c'est également le ballon passe par lui. Regardez, on lui remet à chaque fois le ballon. C'est lui qui oriente le jeu. Maintenant sur le côté gauche. Et le centre directement dans les bras de Zemamouche, heureusement. Parce qu'il y avait Petiak qui est toujours là à rôder sur le côté gauche et il rentre quelquefois au milieu pour essayer de conclure et de récupérer ce ballon. Handanović. Handanović de la main pour César. César qui joue avec Kurtić. On change de côté, on revient au gardien Handanović. Et messieurs, Vajdalilović en grande discussion avec son staff technique. Je pense qu'ils sont en train de préparer, de prévoir beaucoup de changements pour la seconde période. C'est sûr qu'il y aura des changements en seconde période avec la possibilité d'incorporer 6 joueurs. Je pense que Vaïd va apporter des changements, notamment au milieu de terrain, Hakim Eddel. Oui, je pense que Ayebda fera sa rentrée en seconde mi-temps. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un peu plus au milieu de terrain. Ballon pour Bentaleb avec Soudani. Roulem. Et il perd ce ballon. Attention, Campbell qui essaye de passer en grand pont, mais il n'arrive pas. Et le ballon qui se rend touche. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons. Donc. Campbell, oui. Campbell est également Bréco, hein, qui travaille beaucoup sur le côté droit. Hein. Qui est défenseur latéral droit, mais qui monte beaucoup, qui donne de bons ballons et de bons centres. Et faute commise sur Pedjak. On voit ici l'intervention de Kadamourouk, l'arbitre a sifflé faute. Bréco. Miso Bréco qui joue à Cologne en Allemagne. Sur Trin qui remet à César. Handanović qui joue du pied avec César. Alors messieurs, je vous donne juste un petit résultat. La Grèce perd devant la Corée du Sud 1-0 après 44 minutes de jeu. Voilà. Voilà, ça c'est intéressant parce que la Corée du Sud sera notre adversaire. Attention à ce ballon, Bouguera, et s'est sauvé le coup franc. Et la Belgique qui joue contre la Côte d'Ivoire hein, ce soir à 20h45 à Bruxelles. Et il y a également la Russie qui a gagné 2-0 face à l'Arménie. Mais voilà. Le match est fini. Voilà un résultat. La Russie qui a battu l'Arménie, la Russie qui sera également notre adversaire en Coupe du Monde. C'est une soirée. Ça va être un adversaire coréen. À la Russie, moi, je pense que ce sera l'adversaire le plus dur. Ils ont un football très, très physique et très rapide. Avec l'apport aussi d'un grand monsieur du football. Fabio Capello. Abdelmoumen Djabou
avec Slimani en 1-2, oh, c'est bien. Oh, Djabou, l'intention était bonne, mais, eh ben oui, mais il a raté quand même sa passe. Hein, parce que Soudani ne s'attendait pas à la... C'était un peu trop fort. Hein. Mais c'est bien, voilà, c'est des mouvements qu'on doit répéter, loin. Entre Djabou, Slimani, c'est dans des combinaisons comme ça qu'on peut trouver. Qu'on va aboutir, oui. Ben oui. Messieurs, je vous annonce qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel, voilà. Voilà. 2 minutes de temps additionnel dans ce match où il y a eu quand même d'assez bonnes choses à voir en première mi-temps. Ah ben oui, il y a des choses très intéressantes. Erdogan, après, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font leur première apparition. On voit ici la montée de Bougara. Et c'est le centre de Bougara. C'est pas fini. Djabou là sur cette balle. Il va la donner à Bentaleb. Bentaleb, le passement de jambe de Bentaleb qui était superbe, mais dommage. Et je pense qu'il a même trompé ses partenaires. Ben hein, oui, Bentaleb, on voit ici le bon ballon de la passe de Djabou et la feinte de. Même Bentaleb. Même ses coéquipiers ne s'attendaient pas, à ce geste technique. Donc, vous voyez. Ben oui, la roulette. Ah, c'était excellent. C'était très bien fait de la part de Bentaleb. S'il y a un fait qu'on doit dire en première mi-temps, c'est la bonne prestation de Bentaleb. Et oui, je peux vous dire que Vahid, il a de la matière hein, dans son effectif aujourd'hui. Ben hein. Oui, ben quand on sait qu'il manque Ferrouli, Brahimi, et peut-être j'en passe encore. Il y a de la qualité dans cet effectif. Hein. Et c'est une équipe à moyenne d'âge très très intéressante. Et oui, Bentaleb qui n'a que 19 ans. Hein. Ben oui. Aussi, tout ça revient le mérite aussi du travail de président de la Fédération Algérienne de Football. Je peux vous dire que réussir le coup de Bentaleb, eh bien. Par le maillot et il doit prendre un carton. Premier carton pour la Slovénie. Très belle fin de Djabou. On voit ici clair. Il a obligé Breco à commettre l'irréparable. Enfin, il s'en tient bien, c'est vrai, c'est un carton jaune. Si ça avait été dans la surface. Ah bah oui. Avoir un petit but avant la mi-temps, ce serait vraiment formidable. On ne dirait pas non. On ne dirait pas non. Voilà. Peut-être que ça va donner plus envie aux Slovènes de partir un peu plus devant. Allez, le coup franc de Djabou, alors, bien enveloppé directement. C'est Taider, bien enveloppé, sur la tête de Slimani. Ben oui, voilà, but. Voilà, et ce qu'on a dit, voilà. Et premier but de Soudani, qui marque le but juste avant la mi-temps. Et Hakim Eddine, lui, est un extra lucide, hein, je peux vous le dire. Il a vu dans sa boule de cristal ce but qui est arrivé sur cette coup franc de Taider. C'est le moment idéal pour marquer. Je pense que c'est pour donner un peu plus d'animation en deuxième mi-temps. Et sur le bal arrêté, on a toujours marqué sur le bal arrêté. Allez, Soudani qui donne le tempo, on revoit ça, regardez, bien enroulé cette frappe de Taider et la tête de Soudani à point nommé qui a mis le ballon au fond défilé de Handanovic. Et Soudani, Erdogan qui marque encore une fois. Qui augmente son capital but aussi. Hein. Et oui, en équipe nationale. Et le stade Tchaker qui lui porte toujours. Qui lui réussit bien. Qui lui porte bonheur. Hein. Ça, c'est clair. Mais aussi, le coup franc, il a été bien tiré par Taider. Hein, très bien enveloppé. Très bien tiré, bah oui. Et ça sera donc l'Algérie qui va rentrer au vestiaire avec cet avantage de 1-0. Pour l'équipe nationale, but de Soudani juste avant la mi-temps, on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. Et c'est milité notre Qui va commencer dans un instant avec donc retour avec Erdogan Bendali, Hakim Eddine et Hakim Kchiroun. Thank you.
retour au stade Mustapha Çaker donc pour cette deuxième mi-temps qui va commencer dans un tout petit instant. Alors Hakim Meden, un premier changement du côté slovène, c'est Birsa, l'attaquant oui. du Milan AC qui rentre à la place de Kirm, il me semble, ou alors de Preko. Il y a deux changements. Donc. Alors messieurs, il y a trois changements effectifs. Alors voilà. Je vais vous les donner. Il y a Preko qui va céder sa place et il sera remplacé par le numéro 15, Struna Andreas. Il y aura également le numéro 17 qui va céder sa place, Klim, et il va être remplacé par le numéro 10, Birsa. Et puis enfin, Matvez, le numéro 23, lui, va remplacer le numéro 18, Berjak. Alors, c'est Matav. Voilà, c'est Matav Tim, voilà. Désolé pour la prononciation. Non, c'est pas grave. Matav, donc, qui remplace Berjak. Exactement. Ça veut dire que l'entraîneur qui veut, Katanec veut donner un peu plus de percussion au niveau de l'attaque, une attaque qui va être donc sérieusement revigorée par, surtout par l'entrée de Birsa. Hein. Parce que la Slovénie en première mi-temps, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils sont obligés de jouer un peu plus. Surtout sur le plan offensif. Sur le plan offensif, oui. Allez, c'est parti à l'instant même. La deuxième mi-temps, donc. L'Algérie qui mène, je le rappelle, 1-0. Attention à cette balle de Majid Bouguerra et intervention de Mandi. Un tacle contré et ça va être une touche algérienne. Oui, oui, Erdogan. Erissa Mandi qui est en train de faire un match correct jusque-là. On verra. Et de l'autre côté, notre sélection, il n'y a pas eu de changement. Il y a cinq joueurs qui sont à l'échauffement. Mais l'entame de la deuxième mi-temps, il a laissé la même équipe qui a débuté. Voilà, pour le moment, en tout cas, c'est la même équipe qui est sur le terrain, avec cinq joueurs à l'échauffement derrière les bois, derrière les buts de Mohamed Amin Zemamouche. Et donc, les changements, ça sera dans quelques instants. En tout cas, Vahid n'a pas encore appelé ses joueurs pour le changement. Ballon touche pour notre équipe nationale. Encore une balle pour Issa Mandi. La touche qui est jouée pour Soudani. Soudani qui perd ce ballon. Et le dégagement là-bas en direction de Matav, mais c'est dégagé et c'est une faute, un coup franc qui est sifflé par l'arbitre monsieur Alioum Sidré, une faute commise sur Safir Taider. Oui, la faute et c'est pour la première fois qu'on voit Fawzi Roulem venir botter ce coup franc. Et on connaît la qualité de son pied gauche. Et bon coup franc et le ballon qui sort au-dessus du cadre. Et c'est un corner, le premier de la deuxième mi-temps. Et c'est le cinquième corner pour l'Algérie. Et toujours Djabou qui les botte avec son pied gauche. Ah oui, son pied gauche est certainement au premier poteau, comme il l'a fait jusqu'à présent. Non, et bien cette fois c'est au deuxième poteau et dégagement de la défense de Slovénie, alors que du côté de la Slovénie également il y a encore des joueurs qui sont à l'échauffement puisque l'entraîneur a encore trois possibilités. Bouguerra qui centre, Slimani qui récupère, Bouguerra encore qui a le ballon, il le remet en retrait pour Djabou avec Slimani, ça va être un tir de loin de Pantalab et le ballon qui sort au-dessus. Oh là 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 là, quel tir de Nabil Bentaleb. On voit ici la passe, c'est de Slimani et Bentaleb qui feinte le défenseur avec son pied droit, c'est pas son meilleur pied. Il essaye de crucifier le gardien. Ah, mais c'était bien joué de la part de Bentaleb. Hein. Oui, on se souvient, Taider, pour son premier match, il avait marqué ici. De la même manière, voilà. Radon El Bendali. Et on voit ici. Et un changement qui se profite du côté de l'Algérie, puisque Halish a été appelé. Et également, donc. Lahsen aussi. Lahsen.
Et tout à l'heure, on m'avait dit que forcément, fort possible, hein, que ça sera Bouguerra et Mustapha qui vont céder leur place. C'est pas encore sûr, je n'ai pas encore l'officiel, mais on m'avait dit tout à l'heure qu'ils rentreraient à la place de Bouguerra et Mustapha. Alors, Bouguerra, est-ce que c'est un petit problème physique, non? Est-ce qu'il est blessé, non? On veut les protéger du côté de la sélection nationale, donc du côté de Vahid Halilhodžić, ils préfèrent les protéger. Ils ont déjà joué 45 minutes, ils préfèrent les laisser reposer encore un petit peu. Voilà. Et ben, pas prendre de risques. Et ben, en tout cas, c'est pour le moment des changements qui sont, on va dire, dans le registre défensif. Oui, pour Mustapha et Hassan, c'est dans le même registre. Et Halish à la place de Bouguerra aussi. Bon. Peut-être également que... Mais moi, ça m'étonnerait que Bouguerra soit... Halish à la place de Bouguerra, voilà. Allez, c'est confirmé. Voilà. Je vous confirme juste avant. Et Mustapha à la place de l'Hassan Fort possible. Pour l'instant, Mustapha... Ou bien c'est Taider, non? On ne sait pas encore. Pour l'instant, la décision n'a pas encore été prise puisqu'il n'y a que Halish qui s'est présenté pour le changement. Voilà. Moi aussi, je vois comme Hakim Meddane. Hein. Je pense que ça pourrait être Taider également. Hein. Ben oui, c'est une option, mais bon, même Mustapha. On va voir. Pour le moment, c'est Bouguerra qui sort et Rafik Halish qui reprend sa place dans cette équipe nationale. Et il va hériter du brassard de capitaine également. Voilà. Allez, c'est légitime, c'est parmi les plus anciens. Halish, et voilà, il se donne l'accolade, les deux joueurs clés de la défense algérienne, Majid Bouguerra et Rafik Halish. Et là aussi, hein, on peut dire que il y a le choix, hein, pour Vahid. Hein. Même si, ah ben, il a le choix, même si en défense. Il faut stabiliser, on va dire. C'est en défense qu'on a le plus de problèmes, Erdogan. Eh oui, mais vous savez mieux que moi qu'il faut qu'il y ait une défense stable. Ben oui, ben oui. Il ne faut pas changer à chaque fois. Mais malheureusement, notre équipe, le seul compartiment qui a été stable, c'est Farouli, Soudan et Slimani, c'est devant. Voilà. Le problème en défense, c'est qu'on a eu beaucoup de blessures. Et Halish, Erdogan, il rejoue contre la Slovénie qu'il a déjà affronté en Coupe du Monde en 2010. En Afrique du Sud, à Polokwan, plus exactement. Messieurs, le numéro 22 slovène va rentrer, donc qui se prénomme, ou plutôt qui s'appelle Martelj, si je ne me trompe pas. Martelj Alès, et qui va remplacer le numéro 4, Kim René. Ah, Martelj, donc, qui va rentrer. Attention à ce centre, il est raté, c'est une sortie de but pour Zemamouche. Et c'est bien défendu par Soudani. Il l'a obligé à rater son centre. Voilà. Exactement. Allez, Martelj qui va rentrer là, à l'image. Et merci pour ces belles images, on ne remerciera jamais assez. Notre réalisateur Yazid Boulkout avec toute l'équipe technique du CAR HD1 qui est ici présente au stade Mustapha Tchaker aujourd'hui. Yazid, c'est un grand numéro 10. Ah ben ça, on le savait déjà. Aujourd'hui, il est même capitaine d'équipe. Allez, ballon pour l'équipe nationale, encore une fois. Non, c'est pour la défense slovène. Avec César, le capitaine qui est là, qui est toujours là, et qui retrouve encore une fois le ballon. Vous avez vu, Hakim, les ballons passent toujours par ce malabar, j'allais dire. Hein. Ben oui, hein, c'est... Mandy avec Soudani en relais avec c'est très bien joué avec Taider, il a récupéré, maintenant passe de l'autre côté avec Djabou sur le côté droit, côté gauche, Djabou encore
Diabo qui est remuant ce soir. Hein, ben oui, chaque fois qu'il joue, il moi, est en train. Moi, je sais que c'est un joueur que vous aimez beaucoup. Hakim. Ben oui, j'adore. Parce oui, que moi, il me rappelle un joueur qui jouait à l'USM El Haraj dans les années 80. Non, c'est vrai que ces derniers temps, il a énormément progressé. Depuis aussi qu'il joue en Tunisie, il a pris une autre dimension. Et c'est bien, chaque fois qu'il joue en sélection, il est en train d'apporter le plus qu'on attend de lui. Et messieurs ? Oui, Hakim ? Comme j'avais annoncé tout à l'heure, donc Lahsen qui rentre à la place de Mosfa. Voilà. Allez, c'est lui qui avait raison, Hakim. Hein ? Eh ben oui. J'étais à l'info pendant la mi-temps. Non, c'est juste Hakim, c'est juste bon. Voilà, donc. Moi, je pense que c'était Taïder qui devait céder sa place, mais non, c'est un choix. Et vous allez nous dire les prochains changements. Hein, la... Vous savez qu'il avait envoyé, bien avant la mi-temps, il avait envoyé quand même Farhat, il avait envoyé Qadir à l'échauffement. Il avait aussi, il a voilà. été envoyé. Donc, tout est possible pour l'instant. Vahidan Ilouzic n'a pas encore pris sa décision finale, mais il risque de faire encore des changements ou de faire intégrer Farhat, ce qui est sûr, puisqu'il n'a pas convoqué pour rien du tout. Il veut voir ce que Farhat va donner ce soir. C'est ce qu'on m'a dit dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Donc, et moi, logiquement, mon petit doigt me dit que Farhat et Ibda vont dans pas longtemps. On va compter les minutes, Ardouane. Voir dans combien de temps. Allez, Mehdi Mostafa qui est sorti et Lahsen qui est rentré. C'est pour le moment, c'est du poste pour poste à Kiev. Hein. Et moi, Ardouane, jusque-là, je suis admiratif de la prestation d'un joueur comme de Kadamoulou dans l'axe. Je ne l'ai jamais vu jouer. Je l'ai vu une fois jouer avec la Real Sociedad dans l'axe. Mais là, aujourd'hui, jusqu'à présent, il est en train de faire un match. C'est la première fois que je le vois jouer dans l'axe et je peux vous dire que je le trouve meilleur que sur le côté. Oh, c'est bien joué. Deuxième but, quel bon but. Deuxième but de Taïder. Oh là là. Magnifique. Très, très belle action également de Djabou par toute la ligne d'attaque algérienne et vous avez vu comment ça a été magnifiquement fini hein, par Taïder. Oui, très très belle finition avec un plat du pied et un très beau but de Taïder qui prend l'habitude aussi de marquer à Tchaker. Et l'Algérie qui mène 2-0 face à la Slovénie, ça c'est vraiment on voit ici Erdogan, on voit voilà, la très bon geste technique de Djabou et la reprise de Safir Taïder qui marque un très beau but. Ça va lui donner confiance. C'est superbement joué de la part de Taïder qui a bien mais aussi le anticipé ballon, là sur aussi cette balle. Le ballon aussi de Djabou est très absolument. Regardez, il a mis dans le vent le défenseur. Voilà. Ah oui, il a mis le défenseur est parti, il est sorti du terrain. Il est parti incitif. Il est sorti du terrain, je peux vous le dire. Et là, c'est du grand art. Hein. C'est un but. C'est les buts qu'on aime voir. C'est une attaque construite. Voilà. C'est magnifiquement joué de la part de Taïder sur cette belle passe de Djabou. Et messieurs, encore un changement pour la Slovénie. Le numéro 19 va faire son entrée. Et ils sont à 5, Hakim, non ? Non, ils sont à 5. Voilà, c'est le numéro 7 qui remplace le 19. C'est Iličić qui va céder sa place. À Pečnik qui va faire son entrée. Voilà. Voilà. En tout cas, là, ça va donner encore l'occasion à l'équipe nationale de faire le spectacle maintenant. Eh bien oui, de prendre confiance et c'est toujours bon, Ardouan. Et si vous me permettez, il a bien fait de ne pas faire sortir Taïder tout à l'heure. Eh bien oui. Il a bien fait de ne pas nous écouter, Hakim et moi. Et Farhat a été appelé, messieurs. Voilà. Ça va être son baptême de feu. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, Hakim Kchelout ? Il y a à peine 3 minutes, Ardouan Bendali. Voilà. Et là, avec Farhat, moi, je sens que il va y avoir encore plus de spectacles. Allez, aux devinettes, à la place de qui ? Eh bien, à la place de Djabou, non ?
Ah bah écoutez, je vais vous donner la réponse dans quelques secondes. Je vous laisse deviner pour l'instant, vu d'en haut, et puis je vous donne la réponse dans 30 secondes. Moi je vais dire Diabo ou Soudani, hein, l'un des deux. Moi je suis pas. Je suis pas devin, mais je pense que c'est dans ce couloir-là que Farhat va rentrer. Ah, il y a un joueur blessé là. C'est Roulin qui a reçu un coup. J'espère que c'est pas grave. Ah, il se relève, c'est bon. C'est bon. Ça fait mal, mais c'est bon. Il tient bien sur ses jambes. C'est avec les crampons qu'il a touché. La nouvelle star de Naples, hein, on va dire. Aujourd'hui, il est devenu un élément clé dans cette équipe de Naples. Eh bien, Ardon Bendali, les 30 secondes sont écoulées. Vous avez raison, c'est Diabou qui va céder sa place à Farhat. Hakim, Hakim, Ardouane, il a bien vu. Non, il a vu juste. Comme il y avait eu le blessé, on s'est posé une question. Est-ce qu'il n'y allait pas y avoir un autre changement à la place? Mais voilà, mais pour l'instant, c'est Farhat normalement qui doit remplacer Diop. Ça veut dire que c'est Soudani qui va passer à gauche et c'est Farhat qui va jouer à droite. Voilà. C'est ça, Hakim? Et moi, je peux vous dire que sur la droite, il va y avoir de la. Il va y avoir de la percussion. Ça va aller vite devant à droite. Là, Farhat nous a pas dit où juste parce qu'il allait jouer. Hein. Donc je sais qu'il va rentrer à la place de Diabou après les changements et les consignes qu'il va donner à ses coéquipiers, puisqu'il a beaucoup parlé avec Vahid avant d'aller donner la feuille du changement au quatrième arbitre, M. Moussine. Allez, Farhat qui va faire. Il va y avoir un repositionnement. Grand début en équipe nationale. On voit ici la dernière action de Diabou, le ballon qu'il offre. À Taider qui marque. Voilà. Et voilà, pour Farhat, c'est un grand moment, messieurs. Et la première. Et Diabou qui est félicité par tout le banc. Et il a fait du. Il a fait du beau travail. Oui. Hein, il a fait du beau travail, Diabou. Et c'est ce quelqu'un soir. Qui est apprécié par le groupe, Erdouane, parce que c'est un charmant garçon. Et même Vahid semble très satisfait par la production de Diabou ce soir. En tout cas, tout le public l'a applaudi en sortant. Et voilà, je disais, un grand moment pour Farhat ce soir. Hein. Ah bah oui, c'est son baptême de feu. C'est un joueur qui mérite en douane. Ah oui, il a pas du tout volé sa place en sélection. Oui. Il a tout fait pour ça et il a été brillant hein, cette saison, il faut le dire. Et même la saison dernière. Et en plus, c'est un pur produit du football algérien. Ah oui, on peut le dire, un pur produit de l'école de l'USM Alger, qui est en train de faire monter quand même pas mal de bons jeunes. Erdouane, je vous informe qu'il a joué au minime à la jeunesse sportive de Kabylie. Voilà, ça c'est aussi une information. Et le coup franc est joué, il est repoussé par la défense de Slovénie, pas pour longtemps. Puisque c'est encore récupéré, il y avait une faute. Non, l'arbitre laisse jouer. Et c'est encore une fois un ballon au milieu de terrain. On se bat au milieu de terrain. Et Slimani qui va aller au pressing. Il oblige Handanovic à dégager un peu n'importe comment. Halish qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Mais il y a Kadamuro derrière. Kadamuro, excellent Kadamuro. Oh, il s'est bien relancé en plus. Et il arrive un peu tard. Mandi, Taider, Farhat qui percute contre le défenseur de Slovénie, l'arbitre donne la touche. Erdouane, oui. Si vous me permettez, 66 minutes de jeu dans la rencontre Grèce-Corée du Sud, 2-0 pour la Corée. La Corée. L'adversaire de l'Algérie. La Corée du Sud qui sera l'adversaire de l'Algérie. Exactement. Halish qui met en touche. La touche qui est vite jouée par Djokic. Derrière César. César qui a perdu un peu ses repères face à cette attaque algérienne qui est en train de le perturber sérieusement et lui donner du fil à retordre. Et aïe, il était limite.
Limite oui, hors jeu. Il est juste, on va voir. Il était hors jeu, mais limite. Il a démarré un peu trop en avance. On voit ici. Je ne sais pas le départ du ballon. Ah oui, il était hors jeu. Il était hors jeu peut-être de, on va dire, 30 cm, mais il était hors jeu. La défense slovène qui a du mal à relancer le ballon. Campbell qui est revenu au milieu. Lui qui était sur les couloirs en première mi-temps. Obligé de revenir Kurtic qui perd ce ballon. Bentaleb qui écarte la barre à gauche pour Fawzi Roulam. Fawzi Roulam qui est monté. Donne ce ballon et c'est mis en touche. Soudani qui a retrouvé son couloir gauche qu'il adore. Eh oui, c'est, on va dire, son espace de prédilection. C'est là où il retrouve toutes ses sensations d'attaquant. Halish qui a voulu remettre à Mandy. Mais le ballon qui est encore une fois slovène. Et la Slovénie qui va obtenir un coup franc sur ce tacle de Rafik Halish. C'était pas vraiment évident hein, cette faute. Hein. Ben oui, mais il a utilisé son corps. L'arbitre a jugé qu'il y avait faute. Ses bras, il a surtout utilisé ses bras. Mohamed Amin Zemamouche qui pour le moment a gardé sa cage vierge. Le ballon, encore une fois, bien récupéré par la défense. Mais mauvaise relance. Attention au ballon perdu. Et très belle parade de Mohamed Amin Zemamouche sur cette tête plongeante. Mais il y avait hors jeu, Douane. Et il y avait en jeu, mais... Mais Zema, il a fait une intervention. Il est toujours là pour sauver sa cage. Hein. On voit ici le centre de Birsa. De Birsa, le joueur de Milan. Et le coup de tête, mais Zema était présent. Long dégagement de Zemamouche. On va pour Roulem qui donne à Kadamuro. Halish, longue balle devant pour Slimani. Slimani qui manque un peu de soutien là sur cette action. Et Andanovic. Halish, Roulem qui perd ce ballon. Slovénie qui n'arrive pas à trouver de solution face à cette équipe d'Algérie qui est... Et on voit le sélectionneur catalan qui n'est pas du tout content de la prestation de ce joueur. La preuve qu'il n'est pas content, il s'est assis hein, parce que à l'heure il était debout Hakim Kshelod. Hein. Mais là bon, il s'est fait une raison. Là messieurs, il va y avoir encore un changement pour la Slovénie, et même du côté de l'Algérie, Vahid Halilhodžić vient d'appeler Djabour qui va faire son retour à la place de Slimani qui montre des signes de fatigue un petit peu. Manque des signes de fatigue et aujourd'hui il a manqué de réussite hein, surtout quand on a vu l'action en première mi-temps de la 10e minute. La première action, c'était la vraie occasion, c'était celle de Slimani. Il y a des jours comme ça hein, où vous... Alors, messieurs, c'est Milec Martin qui va faire son entrée de numéro 21. Il va remplacer le numéro 13, Djokic Bojan, pour la Slovénie.
Donc pour la Slovénie, c'est le sixième changement, Hakim. C'est le dernier changement pour la Slovénie. C'est le dernier, ouais. Voilà, sixième et dernier changement. Voilà, donc Katanec qui a consommé tous ses jokers, comme on dit. Hein. Pardon, messieurs. J'ai dit Katanec qui a consommé tous ses jokers. Ah, c'est bon, il n'a plus droit au changement. Il n'a plus droit au joker. Il n'a plus droit au joker. C'est vrai qu'il est un petit peu débité, hein, donc, dans son petit coin. Il n'est pas très content du rendement de ses joueurs. Et donc, il a tout essayé. Pour l'instant, il ne trouve pas de solution. Voilà. Et les joueurs de Slovénie qui perdent encore une fois le ballon au milieu de terrain. Et messieurs, sans surprise, c'est Slimani qui va céder sa place. Voilà. C'est du poste pour poste. Et Rafik Djupor qui va retrouver également la pelouse de Tchaker. Lui qui a connu de grands moments sur cette pelouse. Surtout lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Et Vahid qui a l'intention de faire encore ces deux autres changements. Puisque tout à l'heure, ils étaient en train de voir le temps. Ils avaient dit qu'ils avaient encore le temps et qu'ils allaient faire d'autres changements éventuels. Voilà. Ah ben oui, il va utiliser les six changements, voilà. Possibles pour donner du temps de jeu, pour aussi voir quelques joueurs. C'est bien, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Allez, c'est Mali qui rentre, qui a beaucoup travaillé aussi. Hakim, oui. Sur le but de Soudani tout à l'heure, il avait fait un travail appréciable. C'est lui qui a emmené avec lui deux défenseurs pour permettre à Soudani. Voilà, laisser Soudani tout seul. Mais non, Erdoğan Slimani, maintenant depuis un bon moment, c'est un joueur très important en sélection. Et surtout là, il a énormément progressé depuis qu'il est parti au Sporting du Portugal. Il est en train de marquer des buts et tout ça, c'est très très important. Allez, pour la confiance. Ballon, premier ballon de Djupor. Et première faute sur Djupor et carton. Il oblige encore une César à commettre la faute. On voit ici le ballon. Il arrive à éliminer César. Eh oui. Et comme il était en retard, il était obligé de faire la faute. Il était vraiment en retard, hein, César. Hein. César Bouyen, le capitaine de cette équipe de Slovénie qui évolue au Chievo Vérone en Italie. Attention, le coup franc! Et quelle parade de Handanović qui a mis en corner. Et quel bolide de Fawzi Roulam. Fawzi Roulam qui a failli ajouter le troisième but. Regardez, joué en deux temps. Très bon. Medhi Lahsen qui lui a mis le ballon et il a tiré. Et la tête, ça passe à côté. Ça sort en sortie de but. Cette tête de Rafik Halich. Et Hassan Yebda a été appelé par le coach Vahid Halilhodžić. Voilà, Hassan Yebda à la place de Taider. Taider ou Mentalem aussi, hein, parce qu'on n'a pas trop oui, vu. Oui, peut-être. Non, il a un peu baissé au cours de ces 10 dernières minutes. Hein. On ne l'a pas beaucoup vu. C'est vrai qu'il a beaucoup donné en première mi-temps et pour son premier match. Et très très possible. Ça sera. C'est un renfort de choix. Ça sera entre Bentaleb et Taider, la rentrée de Hibda. Les paris sont faits, on verra. Ballon récupéré par Halich qui relance au milieu. Ah, mauvaise passe, mais récupéré par Fawzi Roulam. Avec un très beau contrôle. Qui joue en 1-2 avec Djupor. Le contrôle de. On voit ici le tir de. Le Roulam. Le front de Roulam. Et le contrôle là, c'était une merveille, Erdoğan, pour Roulam. Parce que c'était un ballon difficile et il arrive à. Et c'est un ballon qui flottait un peu. Hein. Ouais. Rafik Halich. Mandy.
Mondi taclé sévèrement. Et l'arbitre qui laisse jouer alors qu'il faut qu'il arrête le jeu là. Il faut qu'il arrête. Et voilà. Il arrête le jeu pour permettre à Mondi d'être soigné. On voit ici le. Il donne un avertissement verbal au joueur qui a commis cette faute, en l'occurrence Kurtic. Kurtic, oui. Qui était en retard, oui. Il a mis son pied. C'est un tacle très sévère, hein, je l'ai dit. C'est à la limite de l'anti-jeu. Et ça fait mal à la juillet. Hein. Mais Mondi Erdogan, pour son premier match. Il est vraiment présent. C'est un poste où le plus important, c'est qu'il y a des places à prendre. Et pas mal de joueurs, ils ont marqué des points aujourd'hui pour la suite. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on aura vu quand même toutes les prestations des joueurs qui sont pratiquement nouveaux, hein, dans cette équipe nationale. Oui, et ben, ça me conforte dans l'idée que Vaidanulodic, je ne voudrais pas être à sa place pour faire la liste des 23. Ben oui. C'est Taider qui va céder sa place. Messieurs. Donc, Paris gagné. Logique. Donc c'est Taider qui fait son entrée. C'est le cinquième changement pour l'équipe nationale. Taider, auteur du deuxième but. Erdogan, moi je pense que le sélectionneur, depuis son arrivée, il a travaillé avec un groupe de joueurs et dans sa tête il y a 18 ou 19 joueurs qui sont déjà au Brésil, sauf blessure grave ou quelque chose comme ça qui peut les empêcher, sinon il ne va pas vraiment chambouler son groupe avec qu'il connaît depuis un bon moment. Oui, mais le choix va être quelque part cruel des fois. Ben oui, vous c'est le savez sûr, très bien. Ben, oui. Il arrivera un moment où il devra choisir entre un bon joueur et un bon joueur. C'est-à-dire, ben oui, c'est un choix. Voilà. Vous l'avez si bien dit, c'est un choix. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je dis, c'est difficile de se mettre à sa place. Ah ben oui. Voilà, Ibda qui rentre et Taider qui sort. Ouais. Qui a débuté difficilement, mais qui a fini après rentrer. Dans le match où il a fait un match correct. On va dire qu'il a eu une première victoire un peu moyenne, mais après, ça a été bon pour lui. Bon, il y avait hors-jeu, retour de hors-jeu de deux joueurs de Slovénie. Et le match a baissé d'intensité, Erdogan. Après le deuxième but. Hein. C'est normal physiquement, je pense que les deux équipes... beaucoup donné, hein. Et puis là forcément ça baisse un peu, surtout qu'on est quand même dans un match on va dire de préparation, mais amical. Bah oui, amical, et en plus c'est le dernier match ici en Algérie chez nous avant la Coupe du Monde. Il y aura beaucoup d'autres matchs, il faut le rappeler quand même, intéressants, des matchs de préparation, dont le dernier, je pense que ça sera le 4 juin. Le 4 juin à Genève face à la Roumanie. Un match intéressant. Le 31 mai, ça sera contre l'Arménie. Tout à fait. L'Arménie qui joue aujourd'hui contre la Russie. Ouais. C'est bien ça. Qui a été battu. Hakim Kchelut va nous le confirmer. C'est lui qui est à l'écoute des matchs amicaux aujourd'hui. Donc la Russie a battu l'Arménie 2-0 aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, oui, le match était fini tout à l'heure. Donc la Russie a battu l'Arménie 2-0. Et puis aux dernières nouvelles, donc pour l'instant, je n'ai pas encore la confirmation. La Corée du Sud qui bat la Grèce, c'est bien. Voilà, ça qui bat la Grèce sur le score de 2-0. J'attends le résultat final incessamment sous peu. J'espère que ça démontre que la Corée du Sud est un adversaire redoutable. Il faut savoir qu'il reste également un match important. Parce que la Grèce était un sacré client également. Hein. Donc, c'est pas facile de battre la Grèce 2-0. Reste à suivre également ce soir la Belgique qui, elle, à 20h45, reçoit la Côte d'Ivoire. Ce serait un beau match à voir, Hakim. Si on a le temps d'arriver. Voilà. Allez, coup franc encore signé par l'arbitre monsieur Alioum Sidré.
On voit ici la faute de, sur le joueur slovène. Un coup franc qui peut être... Mais ça se voit, c'est une équipe en reconstruction, Ardoine. L'équipe de la Slovénie. Non, c'est surtout une équipe qui n'a pas d'échéance très proche, ben oui, on va dire. C'est une équipe qui ne joue pas la Coupe du Monde, donc c'est une équipe qui prépare l'Euro... 2016. Non, non. Attention à ce coup franc et ça part largement au-dessus de l'Euro 2016, effectivement, qui se jouera en France. Et actuellement, eh bien, la Slovénie est dans le groupe E des éliminatoires avec l'Angleterre, la Suisse, l'Estonie, la Lituanie et San Marin. Voilà, donc ça va pas être facile pour eux, non. Oh, bah on va dire que quand même ils peuvent décrocher une deuxième place ou une troisième, parce que je pense que les trois équipes qualifiées, les trois premières équipes du groupe sont qualifiées. Donc il y a l'Angleterre et la Suisse, mais après la Slovénie peut s'intercaler dans ce groupe. Bentaleb qui remet ce ballon au milieu pour Halish. Halish qui va tenter de loin, non. Il préfère garder ce ballon. Il le conserve bien. Il joue avec Yebda. Ça tourne. Bentaleb, Yebda. Tir de loin de Yebda. Aïe ! Il n'était pas aussi facile que ça, ce ballon. Oui, hein. Il a... Voilà, regarde. Le rebond juste avant d'arriver au gardien. C'est un ballon très vicieux. Très vicieux. Effectivement. Moi, je suis étonné que Brahimi ne rentre pas. Écoutez, peut-être qu'il y a... Parce que c'est un joueur actuellement qui est en super peut-être forme. Peut-être qu'il y a une raison physique. Peut-être qu'il est blessé. Peut-être, oui. Peut-être qu'il est, il n'est pas prêt physiquement. On ne sait pas. Mais en tout cas, si Vahid ne l'a pas fait rentrer, c'est que... Il a ses raisons. Il a certainement ses raisons. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait été effectivement une occasion de le voir combiné avec des joueurs comme Bentaleb, comme Roulem, puisque lui, il joue un peu à gauche, Brahimi. Donc, ce qui est sûr, c'est que Brahimi n'est pas à l'échauffement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, messieurs. Non, mais là, je pense que c'est bon. Hein. On est rentré dans les 10 dernières minutes. Tout changement qui pourrait intervenir maintenant ne serait pas un changement tactique. Hein, non, pour donner seulement du temps de jeu à un joueur. Et messieurs, sachez que la Russie a battu donc l'Arménie 2-0, deux buts marqués sur penalty. L'information vient de m'arriver. Voilà. Voilà. Votre satellite fonctionne bien, Hakim Kchelut. Pour l'instant, pourvu que ça dure. Bentaleb qui est revenu un peu derrière ben Hakim, oui. Il est en train de jouer dans le même moment. Voilà aussi. Attention à ce centre en retrait de Roulem. Aïe, là c'est, par contre Yebda, sa reprise était plutôt molle. Hein. Ben oui. Allez, encore Yebda qui récupère ce ballon, qui le remet derrière. Attention, ballon pour Djopour qui remet sur encore Djopour, encore lui, il donne en profondeur, c'était trop fort ce ballon pour Soudani qui était en position d'enjeu. Déjà, il était en position d'enjeu. Alors, ballon. Voilà. Allez, messieurs, le dernier changement qui se profile pour l'équipe nationale. Et c'est Kadir, je pense, qui a été appelé. Voilà. Alors, je confirme. Qui va rentrer à la place de Soudani. Pour l'instant, ils arrivent tous les trois. Donc, il y avait Diora, Mesbah et Kadir qui étaient à l'échauffement. Ils ont été rappelés tous les trois. Et pour l'instant, celui qui est en train d'enlever ses affaires pour faire son entrée. C'est qui ? Alors c'est attendez, ils arrivent, ils sont très très loin, ils arrivent.
Mais Erdogan, quand on voit ici... C'est pour Kadir. Voilà. On voit ici le très bon ballon de Roulem pour Ibda qui n'a pas vraiment repris... Il a tiré mollement. Il a voulu assurer avec le plat du pied, Erdogan. C'est pour ça qu'il n'a pas bien pris le ballon. C'était pas assez fort pour inquiéter Handanovic. Erdogan, cette équipe-là, avec l'arrivée de Ibda, Hassan, Roulem, pas mal de joueurs, ça fait vraiment plaisir de voir notre équipe nationale avec autant de bons joueurs. Ah oui, tout à fait. Avec Hassan et tout ça, c'est. Je disais que. C'est bien, le potentiel existe. Aujourd'hui, il y a un effectif de qualité. Qui est vraiment débordant, il y en a... Messieurs, voilà. Oui, changement. Soudani qui rentrera, qui sortira et qui laissera sa place à Fouad Kadir, voilà. Et encore une fois, Hakim Meden avait raison. Comme toujours. Voilà. L'expérience qui parle. Allez, ça repart. Farhat attire de loin, c'est bien joué. Mais le ballon avait pris de l'altitude et donc ça passe au-dessus. Et le changement qui va être effectué juste maintenant. Hilal Soudani, voilà, c'est un joueur très important pour notre sélection, qui marque souvent, qui est en pleine confiance. C'est des joueurs qui peuvent nous apporter énormément de choses en Coupe du Monde et j'espère qu'il sera au top physique. On l'espère tous pour lui. Absolument. Et... plus que 5 minutes de jeu et quelques poussières, j'allais dire, de temps additionnel, puisqu'à part les changements, il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu important. Et c'est Bentaleb qui a pris la place de Mustapha. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il est en train de jouer l'essuie-glace, comme on dit. Et donc, Le poste qu'il occupe à Tottenham. À Tottenham. Et messieurs, rectificatif de mon satellite, c'est juste le deuxième but de la Russie qui a été marqué sur penalty. Le premier, ça a été un but normal. Voilà. Il doit fonctionner au diesel, votre satellite. Rectificatif. Très bien. Mais au moins, c'est en temps et en heure, voilà. Cette fois, c'est tout de suite. C'est l'arbitre assistant qui a pris un ballon, cette fois. Voilà. Et là, on revoit ça sous tous les angles, grâce à notre réalisateur Yazid Belkout, l'arbitre assistant qui s'est transformé en bon défenseur. Hein. Allez, ballon remis derrière les Slovènes qui ne trouvent pas la bonne solution, la bonne combinaison pour contourner la défense algérienne. Et ballon maintenant sur le côté droit. Au milieu. On a tout essayé avec Kurtic là maintenant. Tout essayé mais sans y parvenir. Ça part directement en drop comme au rugby au-dessus des buts de Zemamouche. Zemamouche qui n'a pas eu beaucoup de travail aujourd'hui, Erdogan, parce que le groupe défensif a bien fonctionné. Chaque fois qu'il était sollicité, il était présent. Il a quand même donné de l'assurance sur certaines balles aériennes où il est sorti. Il est bien sorti avec la main ferme, pour dégager du point. Et ça, c'est important parce que quand vous avez en face de vous des joueurs aussi grands que les Slovènes qui ont du gabarit. Et en plus, quand l'équipe n'est pas dangereuse, vous n'avez pas de travail et vous avez une ou deux actions à faire, c'est plus difficile que quand on est dominé et on est dans le match. Vous êtes un peu à froid sur certaines actions. Hein. Mais c'est bien, mais lui il confirme. On peut dire aussi que Mandi à droite, il a fait des choses très intéressantes. Kadamourou dans l'axe aussi, il était vraiment présent. L'apport de Bentaleb était vraiment judicieux au milieu de terrain. Plus Djabou qui donne de la technique. Ça, c'est des joueurs... ça fait vraiment plaisir et c'est encourageant pour la suite.
Kurtic, attention avec ce ballon qui va essayer de passer par l'axe. Non, il écarte complètement là-bas sur le côté droit. Et très très bon retour, très bonne intervention de Roulem qui est toujours présent. Oui, Roulem et Zinedine Farhat. Et Zinedine Farhat également qui joue sur le côté avec lui. Qui joue inhabituellement hein, sur un côté qu'il n'a pas l'habitude de, ah bah oui, de connaître à l'USMA. Il joue à droite généralement à bah l'USMA. Oui. Mais la permuté avec, avec Kadir qui joue à droite et lui il est parti à gauche. César qui écarte sur Matav. Intervention de Hellish qui lance une longue balle pour Djibour. Et la défense slovène qui essaie de repartir. Attention derrière. C'est bien joué. Messieurs. Oh, ça c'est limite carton. Hein. Ardoin Bendalis, il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 voilà. Minutes. C'est vrai qu'il y a eu. Il y a eu 12 changements. Normalement, il y a 6 minutes. L'arbitre a fait un petit rabais. Il a diminué une minute. Et ballon. Alors, explication du quatrième référé. On ne comptabilise pas les 3 changements opérés juste en début de mi-temps. Il y aura donc les 9 changements plus, on va dire, 1 minute 30. Allez, voilà, bonne explication. Donc, explication de Hosnia. C'est pas en direct, dommage, parce qu'il n'a pas le droit, mais bon, j'aurais souhaité. Voilà. Non, mais c'était bien de nous le rappeler. C'est vrai que les changements qui se font en début de mi-temps ne provoquent pas d'arrêt de jeu. Donc, c'est des changements qui viennent pendant que le jeu est arrêté. Avant que la mi-temps ne reprenne. Yebda avec Kadir. Kadir, un appel de balle là-bas. De Mandy. Yebda. Djibour. Encore Yebda. Qui remet derrière sur Hallish. Ben Taleb. Moi, je pense qu'un Yebda en plein sur le plan physique, en forme, je pense qu'il peut être très, très intéressant pour nous. Ah oui, absolument. Parce qu'il a aussi cette expérience qui est importante. Ben oui. Et aujourd'hui, Ben Taleb qui aura fait le match plein, tout le match, c'est important aussi pour lui, son premier match, jouer de bout en bout. Hein? Oui, Erdogan et Ben Taleb, on ne cesse de le répéter, c'est un joueur qui va apporter énormément à notre sélection. Mais je pense que si Vaïd l'a laissé de jouer tout le match, il doit avoir une idée derrière la tête. Ah ben oui, Erdogan, c'est un plus. S'il vient en sélection, c'est pour le... pour jouer, c'est son premier match, il va avoir des repères, le mettre en confiance. Aussi, il va connaître ses nouveaux coéquipiers. C'est la première fois qu'il joue ici en Algérie, à Blida. Mais le plus important, c'est que c'est un joueur qui est pétri de qualité, qui a énormément de choses à apporter à notre sélection. Allez, pourquoi pas un troisième but dans le temps additionnel, Hakim Eden. Et alors, en plus, il est très jeune, Erdogan. Avoir 19 ans, c'est... Ah oui, il a tout l'avenir devant lui et c'est de bon augure pour notre équipe nationale, qui a vraiment une génération très douée en ce moment. Et ça, c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir de l'espoir pour les 10 prochaines années. Ballon encore une fois pour la Slovénie, alors que notre équipe nationale, elle, se contente de gérer
de gérer pour le moment son avantage. Il ne pas prendre de but. Voilà, terminer à 2-0, ce serait merveilleux, hein, pour le moral et pour la suite. Et également pour le classement. Pour le classement FIFA. Et là, c'était une très belle action. Un très beau tir. On voit aussi comment elle est rentrée avec son. Et un tir du pied gauche. Alors, messieurs, résultat final, la Corée du Sud s'est imposée face à la Grèce 2-0. Je disais que c'est bon pour le classement FIFA également, parce que ça va permettre à l'équipe nationale d'avancer un peu. Hein. Ben oui. D'avancer encore un peu. De la 26e, pourquoi pas, à la 24e ou même. Ça dépendra des résultats, des autres voilà. Résultats. Non. Surtout si la Côte d'Ivoire perd aujourd'hui contre la Belgique, ça pourrait faire avancer l'équipe nationale, même au niveau du classement africain. Africain, ouais. Allez, c'est bien joué. C'est bien joué, là, ouais. Peut-être la dernière occasion avec Farhat. Là-bas qui a transmis ce ballon et bonne sortie du gardien Andanovic alors qu'il y avait une bonne opportunité et bon retour de Mehdi Lassen qui est venu tacler ce ballon en touche. Kurtic qui met là-bas au milieu alors qu'on approche de la fin. Il reste 30 secondes avant la fin de ce match. Avec un dernier tir contré. Yebda, bien joué de la part de Yebda pour Bentaleb. Bentaleb qui remonte avec cette balle. Bentaleb qui remonte. Et Bentaleb qui remonte. Il essaie de donner une balle en profondeur. Et ballon pour le gardien Andanovic. Et l'arbitre, monsieur Alioum. Sidré qui cible la fin 2-0, but alors, de Soudani et de Taider. Majid Bogara, rapidement. Majid Bogara, victoire 2-0, un match amical, compliqué peut-être, mais. Appelez le reste ensemble. Ouais, c'est un très bon test. Alhamdoulilah, on s'est un peu frotté au style européen, donc 2-0, on n'a pas pris de but, c'est bon pour le moral. Les nouveaux arrivés.